à tous, c'est Lassio et bienvenue pour ce nouvel épisode de Valkyria Chronicle. Et là, on se revoit pour cette deuxième opération de ce chapitre 8. Et j'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer parce que, comparé à la première opération où j'avais eu quand même quelques petites touches d'aide, là, pour cette deuxième opération, j'ai vraiment nada. Rien du tout. Donc, c'est vraiment moi qui vais devoir m'organiser un petit peu avec mes feutres et j'ai hâte de voir un petit peu aussi comment ça va se passer. Par contre, on va rester confiant. Ça, c'est toujours quelque chose d'important, je pense. Pas vendre la peau de l'ours à Madelon en sodomiser, bien sûr. Donc, évidemment, c'est pas ça que dit le dicton. Donc, allez, sans plus tarder, on va se lancer cette deuxième opération appelée la réunion dans la forêt. Allez, go! Alors, on se retrouve sur la carte ici. Donc là, vous le voyez, le camp ennemi de l'autre côté. Je regarde un petit peu là, il va y avoir de la force là, d'une certaine manière, assez déployée, je crois. Ils ont une bonne défense, incluant une barrière dont seuls les tanks vont pouvoir mettre à terre. Nous, il reste de notre escouade, on est séparés justement par la rivière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va devoir là, évidemment, réussir à rejoindre les deux bouts. Et justement, avant qu'on réussisse à atteindre notre position, on sera pas en mesure de pouvoir utiliser l'Idlewild. Donc ça, c'est vraiment un coup dur pour notre plan offensif, si je peux dire ainsi. Et donc, on va devoir évidemment bouger nos troupes le plus rapidement possible ou le plus humainement possible pour pouvoir ensuite déclencher à notre tour notre attaque. Donc là, vous le voyez, objectif, prendre possession du camp ennemi. L'ennemi le sait que notre tank est hors d'usage d'une certaine manière. Donc on va devoir justement prendre en compte qu'ils vont essayer de le mettre à terre assez rapidement. Ils vont tenter de, voilà, de profiter de cette situation. D'accord, et donc nous on nous dit, bon, voilà, mettez vos unités derrière les sacs de sable, faites attention. On sera aucunement, encore là, on sera aucunement capable de pouvoir donner des ordres jusqu'à temps qu'on réussisse à remettre la main sur l'Idlewild. Donc là, tout semble nous dire, ben voilà, Wilkin doit retourner à l'Idlewild pour pouvoir redonner justement ses ordres. Et là, on le voit ici, du côté de la victoire, rien de plus simple, prendre possession du camp ennemi, oui, voilà. Et du côté du fade, du côté de ce qu'il faut éviter, eh bien, que l'Idlewild soit détruit, que Wilkin meurt, que Alicia meurt, que l'ennemi réussisse à prendre possession de notre camp, ou encore une fois, qu'on dépasse les 20 tours. Donc ça, ce sera pas évident. Si vous voulez mon avis, ça sera pas évident. Donc on va pouvoir déployer, pas déployer tout de suite, mais plutôt déployer, oui, d'une certaine manière, mais pas la mission en tant que telle. Donc, l'Idlewild va être, j'imagine, dans une position périlleuse. Donc on n'a pas le choix, on va mettre des ingénieurs. On va mettre un ou deux ingénieurs. Un, ça me semble plutôt pas mal, si vous voulez mon avis. Je crois que ça pourrait être bien. Ensuite, on pourrait se placer également un snipe aussi. Un snipe un petit peu plus, voilà, un petit peu plus derrière. On n'a pas besoin d'être trop en avant. J'ai envie, par contre, d'assurer le coup également sur peut-être des tanks légers, voilà. Donc j'en parle en latin encore une fois. Et donc, quelle autre unité également on pourrait avoir à faire face? Peut-être que ça serait bien de mettre des chocs troopers. J'irai avec deux si vous voulez mon avis. Est-ce qu'on met également un autre scout ici? Ça pourrait être bien. Donc allez, on va mettre Nos. Voilà, donc ça me semble plutôt pas mal. Si vous voulez mon avis, ça me semble plutôt pas mal. On va pouvoir là déployer notre unité ainsi. Donc voilà, justement Wilkin qui dit, bon allez Alicia, c'est le temps de retrouver l'escouade. Donc il y a de l'importance ici. Alicia, Ashiwa mou daijoubu kai? Atashi nara mou daijoubu.
さっき向こうで黒煙が上がっているのが見えた。第七小隊がいるのかもしれない。黒煙ってことは光線中。ああ、この辺りにも敵がいるかもしれないけど、なるべく急いで小隊に合流しよう。Donc effectivement, un petit peu ce que je pensais, on va devoir là, le plus rapidement possible ramener Wilkin et Alicia du côté de notre camp. Sauf que là, la rivière, malheureusement, bon, il y a le petit pont ici, affaire à suivre du côté du petit pont. Ensuite, il y a quand même là du mortier, donc, je sais pas trop comment... Ah, il y a masse ennemie quand même, hein. Sincèrement, il y a masse ennemie. Le mortier qui est pas trop dommageable, je crois. Nous, on a notre ligne ici. Allez, on va prendre Wilkin, on va tâter un petit peu le terrain. Ah ben oui, évidemment. Évidemment, qui dit pont détruit. Non. Oh là. Oh là, amigo. Que passe ça? Donc, allez, une unité à terre. Ça, c'est bien. On va pouvoir l'enlever. Je regarde un petit peu. Là, il y a le... Mais what? Il y avait... Ça me met mal un peu. Je vais pas vous le cacher, ça me met extrêmement mal. Allez, vite. Et comment qu'on va faire nous pour traverser? Je suis en train de me poser la question là. Bon, on va s'occuper du mortier pour commencer. Je pense que ça va déjà être une bonne chose de faire. Hop. Et on accepte un petit peu le dégât pour s'assurer du kill. Parfait. Je pense qu'on va abuser un petit peu de... Un petit peu d'Alicia et de Wilkin pour ce tour, si vous voulez mon avis. Est-ce que c'est trop risqué? Peut-être que oui. Hop, allez, une petite gueule ici. Je sais qu'il y a des unités, mais... Si je pourrais... Ah, mais non. Je vais manquer d'ammo. Je vais manquer de munitions du côté des grenades pour pouvoir justement détruire ce mortier sur ce tour-ci. Alors ça va être chaud. Hop. Allez, on a du point, on peut avancer. Voilà. Donc là, les gars, ça va être chaud. Ça va être très chaud parce que les unités qui sont là, je sais pas comment je vais les gérer. Allez, il y a une mine ici. Donc, je vais pas me faire avoir deux fois, ça c'est sûr. Allez, on va pouvoir replacer Wilkin ici. Je sais pas comment eux aussi vont se comporter, c'est des chocs troopers. Donc c'est sûr que... positif. Bien. Soin pour Wilkin. On va tenter le coup du soin. Je sais pas si j'ai bien fait, c'est peut-être un petit peu... Surtout si les chocs troopers viennent à notre destination ici. Là, c'est sûr que je vais prendre tarif, même que c'est game over immédiatement. Donc on va peut-être analyser un petit peu plus de la manière que les choses vont se dérouler. Ici, on va y aller avec Césarie. On va prendre un petit peu un petit look autour de nous. Ah, on est vraiment à côté au pied du mur là. Pour l'occasion, on est vraiment à côté au pied du mur. Là, il y a le coup de mortier qui a tombé en avant de Rosie. C'est pas Jojo, si vous voulez mon avis. Par contre, Césarie, avec l'ingénieur à nos côtés, il y a de quoi faire le café. Et il y a lui, il y a un petit scout derrière quand même, qui pourrait enlever d'ailleurs un point de commande. Donc ça, c'est très bien. Une balle que je trouve... facile pour Césarie, du moins facile. On a été habitué à avoir des échecs du côté de nos snipers, donc bien hâte de voir comment ça va partir. Juste à côté. Il me reste encore deux points. J'y retourne quand même avec Césarie. Allez, on est chaud.
Peut-être Rosie, là, je regarde. J'aime pas trop sa position. Allez, si je peux enlever un point. Yes! Donc, c'est toujours apprécié de pouvoir enlever un point de commande à l'autre équipe. Sans dire que je vais en faire une priorité de cibler leur point de commande, mais... Mais c'est sûr que je vais tenter des trucs. Alors, le coup de mortier ici, que je sens pas trop. La question que je me pose, est-ce qu'on va avoir encore notre sac de sable ici? Très bien quand même. Ah ouais, lui il me tire dessus quoi. Et là évidemment, ma grenade ne sera pas assez loin pour pouvoir se rendre. Du côté de mon arme, est-ce que je peux quand même envoyer quelques balles? Quand même, quelques balles. Très léger. Une égratignure. Rien de plus qu'une égratignure. Parfait, Rosie, parfait. Sauf que là, l'argot et Rosie, masse important, quoi. C'est sûr qu'au besoin, on va peut-être devoir faire... un petit retour d'unité, peut-être des petites retraites, redéployer ce qu'on pourrait avoir de besoin. J'ai peut-être mal fait là, mon coup, par contre. J'avoue que j'ai un petit regret là. D'avoir enlevé Rosie, elle était en position de défense, elle aurait peut-être mangé des dégâts, mais encore là, on n'aurait pas été la mer à boire non plus. Surtout que eux vont se concentrer sur l'Idlewise. Alors, sincèrement, il n'y avait peut-être pas besoin. Par contre, regarde un petit peu le nombre de points de commande qu'ils ont, c'est un truc de ouf. Comparé à moi, ils ont vraiment la masse points de commande. Là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Coup mortier, d'accord. Ça commence bien. Ça commence bien, on a plus de protection pour l'argot. Là, il est dans une position, mais... Non, mais on s'entend que s'ils veulent, l'Idlewise, il est mort, là. Ici, c'est juste un scout, donc ça, c'est bon, ça va. Ah, il a... Ok, non, c'est un sniper, d'accord. Je me suis auto-gouré. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Un autre sniper? Non, oui, non. Ah, il y a masse, mais... Sauf que, avec l'ingénieur, est-ce qu'il faudrait deux ingénieurs pour l'occasion? Pense pas. Je ne penserais pas. Peut-être qu'il m'aurait fallu deux lanceurs, peut-être. Ah, encore là, je suis sceptique. Je dois trouver un moyen d'avancer, Rosie. Parce que les lanceurs, sincèrement, c'est tellement une cible facile. Lorsque les autres gars autour, exemple Scout, Shock Trooper et compagnie, Snipe, lorsque eux vont être hors d'état de nuire. Ah ouais! Ah ouais, ouais, Stice Freak de Lynx. Ah ouais, œil de Lynx. Lui, direct, quoi. Et là, en plus, un coup de mortier. Heureusement, il n'y avait personne. Donc, finalement, c'était bon. Là, nous, on recommence. Ils n'ont pas bougé en haut, hein. Ils n'ont vraiment pas bougé en haut. Ah ouais, ça, ce coup de mortier-là, par contre, on ne peut pas l'accepter. Et donc, tour numéro 2. Évidemment, on repart avec Wolkin. Hop. Donc, le mortier, c'est fait, c'est éliminé, ça c'est bon. Je regarde et je suis sceptique. Comment je vais faire pour quitter cette position? En fait, je peux pas la quitter. Y'a pas de pont, y'a rien. Oh, ça va être chaud, si vous voulez mon avis.
ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être avec le snipe, il pourrait y avoir un petit quelque chose de... Un petit quelque chose de bien. Faut que je me garde au minimum, je crois, 2 points de commande avec... justement avec Dallas pour pouvoir réparer un max, justement, l'Idlewise. Là, ici, le petit Light Tank qui n'est pas en bonne position quand même. Là. Avec l'Argo, ici, tel moyen. L'Argo qui va prendre masse points de... Je pense que vous comprenez un peu ce que j'ai envie de faire, hein. Cours ta vie, l'Argo! Cours ta vie! Cours ta vie, je veux pas! Ok, parfait, 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 parfait! C'est bon là, les gars! Je reprends espoir! Je reprends espoir! Je pense que on a quelque chose de bien. Les Shock Troopers doivent être éliminés. Ça, c'est impératif. Ils doivent être éliminés. Donc, on prend Césarie. Là, par contre, il y a quand même un Lancer qui se tient sur le devant de ma route. Il doit avoir minimum 3 balles. C'est énorme. Ici, on a un Shock Trooper qui se tient. Cible facile, j'ai envie de dire. Parfait. Il y en a un autre un petit peu plus bas, mais... Va être chaud à aller chercher, je pense. Là, on déplace Césarie ici. Ouais, c'est bon, ça, c'est bon. Très bon, même. Très bon. Donc là, le pont, c'est quoi? Est-ce qu'on va devoir... réparer le pont nous-mêmes, je ne sais pas, mais ça s'annonce difficile. Là, j'essaie de me mettre un petit peu hors de portée, justement, du sniper qui était de l'autre côté. Est-ce qu'on pourrait pas tenter d'éliminer déjà un? C'est surtout à cause du deuxième Shock Trooper ici qui me met mal. Et là, lui, en plus, il est en position de défense, donc... je ne peux absolument rien faire. Peut-être en utilisant l'Argo, un petit coup de Lancer dans le tas. Ça pourrait... Mais encore là, encore là, encore là. Je pense pas que ça va toucher. Non. J'ai juste touché le Lancer, en fait. J'ai juste touché le Lancer. Il me reste encore quand même une mine. Il me reste encore une mine avec l'Argo, donc j'ai envie de dire prise numéro 2 peut-être, ou on tente un coup avec Césarie. On va aller voir avec Césarie, mais puisque le Shock Trooper est derrière justement le sac de sable, je suis pas confiant. Non. J'ai décidé de changer parce que bon, le Shock Trooper n'a pas une longue portée. Doit avancer. Alors nous, ce qu'on va tenter de faire, on va mettre une balle entre les deux yeux, en espérant sur lui. Donc là, vous le voyez, là, faut que ça touche le corps, quoi. Donc on va plutôt cibler le corps. Donc ça ira pas plus loin que le cercle orange. Voilà. Pardon. Donc ça, c'est bon. On arrête. Ah, je devais... Dallas, s'il te plaît, soigne-moi l'Idlewise. Qui quand même a quand même bien survécu l'Idlewise. Donc j'aurais peut-être pas besoin d'utiliser Dallas deux fois ici. Une fois devrait être suffisant. Parfait. On laisse Dallas derrière. Donc va être un petit peu là. Notre personne à tout faire ici. Et on va avancer Rosie. On va avancer Rosie jusqu'au... Ouais, il n'y a pas de masse à cause de la portée du snipe. C'est ça qui me met mal aussi. Ah non, la cata. Ah là là. Bon, il n'y aura pas de mortier. On peut se consoler avec ça, mais... Ah, j'ai hâte de voir le tour, comment le tour va partir. Ah, ils ont des snipes en plus de l'autre côté. Ils ont max points. Donc justement, on tente. Évidemment, on vise l'Argo. S'ils réussissent à mettre l'Argo à terre, c'est quand même là.
point de commande que je vais perdre et je suis pas dans une très bonne... Oh, je t'adore, Rosie. Je t'adore. Le réflexe, quoi. Bravo à Rosie. Là, ici, on tente un coup. C'était sur l'argot. D'accord. L'argot, je veux pas te perdre, hein. Je te le dis tout de suite, je veux pas te perdre. Ici, c'est un choc trooper. Je devrais pas... Je vois pas trop ce qu'il peut me faire. En tout cas, là, l'argot est une cible. On va pas se cacher, l'argot est une cible. Là, un lanceur ici qui va tenter un tir sur l'Idlewise. Donc ça, c'est bien ça. Concentrez-vous sur l'Idlewise. Oui, c'est très très bien ça. Donc, il y a un choc trop bas qui s'est un peu trop avancé, si vous voulez mon avis. Je vous kiffe, les gars, je vous kiffe. Toi, je te fais la peau, c'est sûr. Ce petit snipe qui commence à me mettre à mal. Un lancer qui rate. Oui, c'est ça. Sortez. Sortez des sacs de sable. Sortez. Amenez-vous, sincèrement. Là, ici, un autre lancer. Là, j'aurais quasiment pas le choix d'utiliser l'argot et de le soigner. On va éliminer un snipe. On va éliminer un choc trooper. Et je crois que mon tour devrait s'arrêter dans ses alentours. Peut-être l'argot, un petit coup de soin, évidemment. En plus, le choc trooper qui est sorti de son sac de sable. Ah, il y a de quoi profiter, là, ici, par contre. Il y a vraiment de quoi profiter, là. Eux, on peut les laisser ici. Ça n'a pas bougé en haut. C'est pas d'importance. À moins que je les ramène sur le côté de la berge et qu'on tente justement les tirs directement. Césarie, là, je crois qu'on va abuser de Césarie ce tour-ci. On va abuser de Césarie, si vous voulez, mon avis. Là, Césarie, tu peux pas me rater ce tour, là. Le cercle est quand même assez énorme. Parfait. Donc, oui, on va peut-être profiter également de Dallas qui va pouvoir, là, redonner de la mune à Césarie. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très favorable pour nous ici. Seul bémol, encore une fois, c'est justement les lancers qui se sont placés directement où le choc trooper. C'est le seul bémol que je vois. Parce que les lancers ne peuvent pas t'attaquer au corps à corps. Donc, même si j'avance vers eux, directement, exemple, avec Rosie, ils vont rien me faire. Donc, là, ici, je vais... Il est accroupi, le gaillard. C'est ça, le problème. Il est accroupi, donc on va plutôt mettre... Parfait. Est-ce que, même s'il est accroupi, est-ce que je peux quand même le descendre? Parce que là, c'est bon, là. Là, on est vraiment dans une bonne position. Oui, ils peuvent appeler des renforts, mais si je peux éliminer masse ennemie tour après tour, eh bien là, les renforts vont venir extrêmement facile pour nous, justement, pour pouvoir les gérer. Et là, ici, non, ça va me prendre 4 balles. Ah, là, là. C'est beaucoup trop énorme. Beaucoup trop énorme. Donc, on va se décaler. S'il te plaît. Soit elle était trop basse, soit je pouvais vraiment pas tirer cette balle, finalement. Là, je vais avoir besoin de mune. Là, je vais avoir besoin de mune. On va prendre l'argot. Il me reste combien de points? On va prendre l'argot. On va envoyer un petit bout de... Hop, l'argot, non, pas lui. Lui, on s'en fout, en fait. L'argot qui a repris du soin, d'ailleurs. Donc ça, c'est très bon. Donc, notre ami le choc trooper est rendu de l'autre côté du sac de sable. Nous, l'argot, on va pouvoir le décaler ici. Parfait. Laissez-moi un petit peu continuer à réfléchir à la situation qui s'offre à nous. Dallas, besoin de soins, besoin de mune surtout. Voilà, mune s'est donné. Est-ce qu'on pourrait... Non, ce serait fou. Ici, non. Pas vraiment de bons tirs que je peux faire.
On va quand même envoyer quelques tirs. On part à rien, donc on va viser. Écoute, je pense pas qu'elle va les mettre les deux balles. Mais si elle le peut, je m'agenouille devant Dallas. Ok, parfait. Parfait. Donc, Dallas, tu peux retourner derrière. Je ne voudrais surtout pas te perdre. Voilà. Fin de l'action avec Dallas. Il n'y a plus de choc troopers de l'autre côté. Je répète, il n'y a plus de choc troopers. Donc, là, on y va avec ses amis. On va se concentrer sur le snipe. Tu me la mets, hein, Césarie, hein? Tu me la mets, t'es le meilleur, t'es le padré, t'es le patron. Trop. C'est pas grave. On va reprendre un autre point de commande. Il en reste deux, donc il te reste deux chances, Césarie. Deux chances. Là, pourquoi que je veux l'éliminer, c'est surtout parce que lui, il a une vue sur Anaïs. Et ça, j'aime pas. Parfait. Très bien, man. Oh! J'ai remarqué quelque chose. La rivière, je pense que je vais pouvoir la descendre. Ouais, je pense qu'elle nous descend, ou la rivière. Ouais. Donc ça, c'est très très bon. On va pouvoir regarder un petit peu plus près, justement, qu'est-ce que ça peut donner. Là, ici, il me reste un point. On va prendre Rosie. Ah, oh, mais je veux pas non plus avancer à tête baissée comme une poule pas de tête. Ah ouais, pas plus, genre. Et lui? Lui, on peut l'éliminer. On va le faire. Parfait. Donc, ça, c'est très, très bon. Est-ce qu'on peut rester Rosie ici? Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il y a quand même le Lancer qui m'inquiète un peu, à moins que... Ouais. J'ai pas le choix. Je vais devoir vivre avec ma décision ici, mais... J'espère ne pas perdre Rosie, mais... Ça s'annonce pas extrêmement positif, si vous voulez mon avis. Donc là, eux, évidemment, vont appeler des renforts. Ça m'inquiète pas trop. Comme je vous le disais, au fur et à mesure, si on peut éliminer masse ennemie, là vous le voyez, ce Lancer qui est là est clairement mal placé pour pouvoir réussir à se défendre face à Rosie. Donc, ce qui m'inquiète, c'est le snipe. C'est vraiment le snipe de l'autre côté, à la petite base, qui m'inquiète. Mais sinon, ça va. On fait attention. C'est bon. On est un petit peu grichou. Mais c'est bon. Oh, on n'enlève pas beaucoup. C'est fou, hein? Aussitôt qu'ils sont proches de justement des sacs de sable, la défense, mais comment qu'elle est montée? Là, ici, petit coup de snipe. Merci, Rosie. Merci, tu me fais plaisir. D'ailleurs, lui va être notre prochaine cible. On se doit de l'éliminer. Il y a également le petit tank léger également qui pourrait nous casser les dents. Ah oui, j'utilise pas les... C'est bien ça, c'est très très bien ça. Donc, laissez-moi réfléchir. Laissez-moi penser à un truc. Allez, on améliore un petit peu notre cible. Là, vous le voyez, sincèrement, le headshot est quasi assuré ici. Parfait. Ça, c'est très bien. Très, très bien. Un choc trooper en moins, c'est toujours extrêmement positif. Il me dit que je semble être à la vue de d'autres unités. Ouais, mais bon. C'est bon, ça va.
D'accord. On va éliminer ce Lancer qui est juste ici. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ah, il y a ce Shock Trooper qui a un point de commande. Plus un snipe. Ça lui prend 2 balles en plus. Non. Dommage. J'ai peut-être été un peu gourmand. Je voulais vraiment la abattre. Lorsque j'ai vu par contre que ça lui prenait 2 balles au Shock Trooper, je me suis dit, allez, si on peut éliminer le snipe, je prends. Je prends ses cadeaux. Mais comment ça se fait que lui, je peux pas le... Ah, il me saoule, sincèrement, là. Mais genre! Moi, je voulais que les sacs de sable explosent! Sauf que... Il n'est plus caché comme il l'était. Et ça fait une autre cible en moins! Ah, c'est bon, ça! Ah, c'est bon. Sincèrement, là, c'est bon. Rosie, tu restes ici. Tu restes ici. Il y a le snipe qui me met mal quand même. Il y a quand même le snipe qui me met mal. L'Idlewise qui est à 100%. Il y a Nos. Est-ce que Nos pourrait faire quelque chose? Est-ce que Nos pourrait faire? Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir, par exemple, contourner? Allez voir. Regardez la petite descente. Genre. Pensez qu'il me l'aurait fait. Ben quand même pas. Toi mon gars, je vais t'envoyer valser, mais dans l'univers. Vous allez voir. Je pense qu'on est dans une bonne position de l'autre côté. On peut gaspiller un peu un tour à perdre notre temps ici. Tu vas voir, mec, tu vas aller en bas de la montagne. Ah, même pas. Bon, il est allé quand même, mais. Ah, regardez la petite descente, quoi. Regardez la petite descente. Et ça remonte où? Y'a possibilité de remonter? Ah, je peux pas monter. Ah non, parce que... Ah ouais, à cause de la grue, en fait. Ah ouais. Bon, bah, on va laisser Nos ici. On va s'en occuper plus tard de ces Shock Troopers-là. Vous n'allez pas vous inquiéter. Donc, il me reste encore 1 point. Césarie n'est pas dans une forme herculéenne. Donc on va le laisser un petit peu plus caché. On va amener Anaïs. Voilà. Et évidemment, j'espère quand même que le snipe de l'autre côté va pas réussir à mettre trop à mal mes troupes. Est-ce que... je suis en train de penser à un truc là. Il y a peut-être quelque chose là que je vais pouvoir tenter là. Là, on a demandé du renfort. Un Shock Trooper qui semble vouloir rester derrière. N'ose pas trop avancer. Ici, on a le snipe. On va voir un peu. Là, va sûrement tenter de viser soit Anna, soit Rosie. Là, c'est vraiment... Là, c'est... Tout le monde plonge, quoi. Tout le monde plonge. C'est... voilà. Alexandre Despatie est passé par là. Donc... Le petit tank quand même de l'autre côté, on va devoir avancer de l'arco, c'est vrai. Ah par contre... Ah ouais, là ils sont comme... Allez les gars, venez. Là ici, je vais tenter le coup.
y a des herbes ici, mais comment ça? Je pense que ils vont pouvoir grimper à partir. Ils vont pouvoir grimper à partir du pont explosé. Donc, moi je pensais que c'était un signe pour le petit pont ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt un signe d'échelle. On va commencer à les avancer. Pourquoi? Parce que si je peux utiliser l'Idlewise, alors là, on change une autre facette de la bataille. À cause du snipe de l'autre côté, à cause des chocs troupas, pas non plus foncer tête baissée. Donc, eux, ils vont passer un tour ici. Là, il y a Nos qui sert à rien. On va ramener à la base. On remanie les troupes. Parce que là, sincèrement, c'est le petit campement où il faut absolument prendre possession. Et après, c'est GG. Après, c'est victoire, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la victoire après. Je vous attends. C'est l'honneur. Cabale, je suis prêt à vivre quand même. Ah ouais, bon. Évidemment. Alexandre Despatie, sortez de ce corps. Alors, si on peut pas... Ah, c'est vrai que les sacs de sable, ils disaient qu'il y avait juste les tanks qui pouvaient mettre à mal les sacs de sable. C'est quand même bon à savoir. Là, je vais retenter un petit coup quand même avec Césarie. Sait-on jamais. En se tenant loin. Une balle, mais regardez, je vais frapper la montagne. Ah non, même pas. Même pas. Par contre, bon, le snipe, lui, s'est couché. Est-ce que je continue à utiliser Césarie ou est-ce que je l'envoie à la retraite? Très bonne question. On va plutôt l'amener ici. On va peut-être pouvoir faire un petit ménage de l'autre côté, même si en même temps j'ai fait descendre Alicia et compagnie. Combien qu'il leur reste d'AP? On va tenter le coup avec Alicia. Voir s'il reste pas assez de AP. Ok, donc, mine les gars, mine, qui a dit une mine? Ouais, c'est ça, on peut monter. Et on peut se soigner. Ça c'est positif, ça veut dire que Wilkin peut le faire en fait. Ça veut dire que Wilkin pourrait se rendre à l'aide de l'Ouest. Et on pourrait, dès le prochain tour, voire même ce tour-ci, commencer à l'utiliser. On sort la mine. Je les oublie tout le temps en plus. C'est bon là, là c'est bon en plus. Une bonne opération, ça va bien. C'est gagné. Si vous voulez mon avis, moi je vous le dis. Mina, ima modottazo. Shinpai kakete sumanakatta. Niisan, yokatta. Kega wa nai desu ka? Elle me fait quand même rire, Sarah. Ah, daijoubu da. Senkyou wa dou da? Edelweiss ga ookasetsu ni teki no jinchi wo toppa dekinai de imashita. Demo, niisan ga modotte kite kureta node, sensha de kougeki wo kakeraremasu. Yoshi, wakatta. Ah, Wilkin, il est sérieux, là. Là, sincèrement, là, vous le regardez par son... Justement, par son visage, par le ton de sa voix. Il rigole pas, là. Bon. Bon. Donc, là, le loi, j'ai maintenant... Utile, si je peux dire ainsi. On va l'utiliser. On va avancer. Parce que, comme Isara le disait, on est un petit peu bloqué... D'une certaine manière, par les lignes ennemies, on ne peut pas avancer davantage. Là, il y a un petit coup de mortier que je préfère. Que moi, je trouve plutôt intéressant. Parce que ça pourrait justement mettre à mal les sacs de sable. Voilà. Et donc, on va arrêter le tour ici. Allez, on arrête.
qu'est-ce que ça donne. Avoir su quand même, je crois que ça aurait été plus pratique de commencer le tour avec ces 6 actions. Mais bon. Alors, le renfort consiste à être un choc trooper. Déjà éliminé. C'est plus lui qui m'inquiète. C'est plus lui qui m'inquiète. Est-ce qu'ils vont abuser du petit tank? Voilà, un autre. Là, il reste le snipe. Allez. Ah non, dommage. Dommage, je pensais qu'il allait s'offrir comme toutes les autres. Non, c'est bon, ils ont pas abusé. Ils ont pas abusé, c'est bon. Donc, là les gars, c'est peut-être passer aux choses sérieuses. Largo. Largo qui aura pas assez de HP par contre pour pouvoir... Quand on me dit 4 tirs. Il n'aura pas assez d'AP, mais je pense que je suis plutôt confiant qu'on va être bon pour pouvoir éliminer justement notre cible. Sauf que le snipe nous a habitué à être un petit peu Alexandre Despatie, alors j'ai peur de perdre un point pour rien. Hop, allez Largo. Même que je pense que ça vaudrait mieux la peine de détruire le tank avec Largo carrément. Donc, ramener Dallas jusqu'ici, redonner max ammo, faire une petite réparation sur l'Idlewise. Voilà, plus que une. Parce que si j'utilise l'Idlewise... Ah, oh, ouais, ça va être chaud. Dallas. Il me reste 3 points. 3 points, j'en utilise un avec... C'est parce que c'est le snipe, en fait. Bon. Un petit coup de réparation. Donc, oui, c'est le snipe. C'est le snipe. Je voudrais pas non plus... me jeter dans la gueule du loup. Alors... Go. Par contre, l'autre camp, de l'autre côté... je suis curieux. Curieux de savoir... Non. Bon. Mais c'est pas grave. Allez, on retente. Et quand même... Voilà, ça c'est bien. Et regardez la petite forteresse derrière, quoi. C'est de savoir le nombre d'ennemis qu'il va y avoir de l'autre côté aussi. Puis, sans dire qu'il m'inquiète, mais... auquel je me pose un petit peu des questions. Là, les snipes de l'autre côté... Non pas les snipes, mais les chocs troopers de l'autre côté... on s'en bat un peu les steaks, si vous voulez mon avis. On va revenir. Je ne pouvais pas demander mieux. Allez, tout le monde est ici en plus. Oh là là, la fine équipe quoi. La fine équipe est au rendez-vous. Donc, alors, on arrête cette séquence. Tour de l'ennemi qui amène un choc trooper. Comment ça va se passer comme tour? Tour tranquille, j'imagine. Allez, viens. Viens voir papa. Viens voir papa. Offre-toi à nous. Dommage. Et il arrête en plus immédiatement son tour. D'accord. Est-ce que je pourrais aller le chercher avec ses arrières, justement? Et on tasse. On vise bien au millimètre. Ah non, dommage. Ah oui! Ça c'est bien ça. Ça c'est bien César, ça. J'apprécie. Là j'apprécie moins par contre. Je dois trouver un moyen de...
Allez, choc troupa contre choc troupa. Dites-moi que je ne fais pas de conneries. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ça c'est fait. Cette fois-ci. Je dirais pas que la mission est facile, mais j'espère qu'il nous cache pas un truc là pour la fin parce que je serais tellement dégoûté. Alors avec Nos, on va pouvoir aller contrôler justement le point. Donc ça va leur couper justement les renforts et autres. Hop! Et il nous reste plus qu'à se rendre de l'autre côté. Cette fois-ci, je sais pas combien... plutôt qu'est-ce qu'il faut faire. Allez, avec l'Adelweiss. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est bon, ça va. Entrez pendant un moment que j'avais tué Rosie. je vais pas vous cacher, je commençais à paniquer. Ah, je sais pas s'il faut que je tire ou si il faut que je rentre dedans. Allez, on casse tout. Il est fou. Et il y a seulement un choc troupa de l'autre côté. Yes. Hop. Hop, on arrête le tour ici. Il nous reste combien de points? 2 points seulement. Ah, c'est dommage ça. Dommage parce que... Je vais tenter avec Nos. Parce que je dois tuer le choc troupa, ça c'est sûr. Allez, 2 balles, Nos. C'est réussi, les gars. C'est réussi, on a... Oh là 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 là, vraiment là, une très très bonne opération ici. Très très bonne opération. Oh! Très bien. Très bien, les gars. J'avais peur qu'ils nous attendent à quelque chose, je sais pas, moi, une tourelle anti-tank. Bref. Rien. J'ai quand même eu un rendez, par contre. J'ai eu un rendez, pourtant, j'ai perdu aucune unité. Je trouve, en plus, que j'ai quand même bien joué. J'ai débloqué un nouveau snipe. Oui, c'est vrai, j'ai débloqué des nouvelles armes, moi. Faut que j'aille voir si je peux les équiper sur... justement, sur mes personnages. Ça serait très bien. Bref, ça sera à voir, justement, en off. J'aime mieux faire ces petites choses-là en off. Comme ça, on avance vraiment... voilà. L'histoire au max. Et donc, justement, avant de se laisser pour le mot de la fin, lançons-nous vers cette dernière partie de ce chapitre 8 pour voir par après le début du chapitre 9. Allez, go! Welkin Gunta, Dainana Shotai ni kikan shimashita. Dainana Shotai ichido, matte ta ze. あんた、兄貴に挨拶しなくていいのかよ。え？兄貴が心配だったんだろう？兄さん、お帰りなさい。あ、ただいま。ラルゴさん、ロージーさん。兄を探してくれてありがとうございましたダルクス人なんかに言われても嬉しくないよ兄貴が戻ってきてよかったなリサラいろいろなことがあったけどウェルキンのことが分かって嬉しかったなそれからね第七正体みんなが家族って言ってくれて
本当に嬉しかった。だからありがとう、ベルキー。うん、九章七月事件。ウェルキン・ギュンター、入ります。よう、ウェルキン。ファルディオ、君も呼ばれていたのか。二人とも、非番の日に出頭してもらってすまないわね。実は、コーデリア姫主催の晩餐会に、私とあなたたち二人が招待されたのよ。え、どうして僕たちが？バーゼル卿奪還以降の義勇軍の活躍をお認めになってくださったらしいわ。晩餐会は明日ランドグリーズ城で催されるの。はあ、堅苦しい場は苦手なんですけど。何言ってるんだウェルキー。姫に拝謁できるなんて滅多にない機会だぞ。ガリア公ランドグリーズ家の一族には古のバルキュリア人の血が流れているという。つまりコーデリア姫もバルキュリア人かもしれないんだ。まあ確かに。晩餐会には儀礼用の軍服を着用するのを忘れないようにね。では明日ランドグリーズ城で合流しましょう。要件は以上よ。やれやれ、明日はバードウォッチングに行きたかったんだけどな。二人ともちゃんと来るかしら。お待たせしました。あら、ウェルキン、見違えたわね。はい、アリシアに着るのを手伝ってもらいました。アリシアに、私も連れてってとブーブー言われて大変でしたよ。それは大変だったわね。よう、ウェルキン。今日はバッチリ決まってるな。お、ハルディオ。珍しく帽子をかぶってるじゃないか。ああ。どうも軍隊の帽子ってやつは、デザインが気に入らなくて敬遠してたんだが。はーい。皆さんお揃いのようね。いや、エレットじゃないか。もしかして晩餐会の取材？もちろん。今夜の晩餐会には連邦の大使も招待されているんだけど、どうやらその裏にはガリアと連邦が同盟を締結しようという動きがあるのよ。うん、ガリアはどの国とも同盟を結ばない。コーデリア姫の摂政である宰相ボルグの意向が大きく影響しているのは間違いないわね。姫が若年なのをいいことに、今この国の政治はボルグをはじめとする貴族たちが牛耳ってるの。今のコーデリア姫ははっきり言ってボルグの操り人形みたいなものよ。やれやれ、せっかくの晩餐会の前に気が重い話を聞いてしまったな。そろそろ時間よ、行きましょう。コーデリア姫、お言葉を賜りたく存じます。お集
集まりの危険並びに紳士淑女の皆様、私は今この上ない喜びを感じています。カリア公国と連邦国が手を取り合うことはヨーロッパの高級なる平和につながるでしょう。召喚、神聖なるガリアの自由と誇りが帝国の手によって蹂躙されようとしている。だがバルキリアの加護が永遠に約束されたコーデリア姫がいる限り、我が公国は敗北することはない。そうですな、姫。はい、私はバルキュリアの血を引く者、正義はこの身と共にあります。連邦の大使としてガリア公国を訪問できたことは私の至上の喜びとするところであります。ラグナイト資源に富み、東西の中央に位置する帰国はまさにヨーロッパの要所。我が連邦は帰国と手を取り合い、共に帝国を打ち砕くことを約束しましょう。ふん、そのヨーロッパの要所を自分たちが抑えたいだけだろ。連邦とてヨーロッパ統一を目論む軍事大国、気に食わんな。素直には受け取れない挨拶ね。我々が手を組めば帝国など恐るるに足りません。帝国を打倒し、このヨーロッパ全土を我がガリアと連邦のものとしようではないか。ヨーロッパ全土、物騒なことを口走ったわね。俺たちは他国に攻め込みたくて戦っているわけじゃない。ふるさととそこで暮らす人たちを守りたいだけなのにね。堅苦しい挨拶はここまでにして、祝杯をあげようではないか。両国の輝かしい未来に乾杯。乾杯。どうかしたのか。質の悪い茶番劇を見せられて胸焼けがしてきた。俺は先に帰るよ。ファルディオ、晩餐会もやっと終わりましたね。私たちも帰りましょうか。確か出口はこっちだったわね。コーデリア姫。失礼いたしました。お怪我はありませんでしょうか。大丈夫です。申し訳ありませんでした。無礼をお許しください。良いのです。気をつけてお帰りなさい。コーデリア姫、姫は連邦と同盟を結ぶことに賛成なのですか。ギュンター少尉、突然何を言い出すのだ。申し訳ありません。失礼なことを言っているのは十分分かってます。ただ今日の晩餐会を見ていたら、姫のご意志が無視されているような気がして。私は若年の身、国政は摂政のボルグに任せています。このガリアの地、そしてバルキュリアの血統を守ることが、宿命を守るために私の意志は必要ありません。私はしきたりに従って生きていればよいのです。それではごきげんよう。コーデリア姫、
聞こえるか。俺だ。今ブツは一人だ。実行するぞ。作戦通り装甲車を待機させておけ。ブツを奪い次第そちらに向かう。では私はここで失礼するわね。おやすみウェルキン。はい、お疲れ様でした。待て、待たんか。バーロット、バーロット、一大事だ。ダモン将軍、どうなされたので。コーデリア姫が誘拐されたのだ。何ですと。どうやら連邦の大使が犯人らしい。やつめ、連邦のスパイ。姫を保護するという名目で人質に取り、ガリアを連邦の保護国にする。秘密条約や威圧外交で勢力を広げてきた連邦。出動だ、バロット。急いで姫を奪還してこい。わかりました。ギュンター少尉、すぐに部隊を召集せよ。クライス、あの機械なんだ。これは飛行機ですよ。一次大戦期に初の飛行実験が成功し、現在世界各地で研究と製造が進んでいるんです。なあ、これが噂の飛行機ってやつか。すんげえな。あ、リオンさんにクライスさん。なあ、イサラさん、せっかくの休日なのにどうしてここに。もしかしてこの飛行機、イサラさんが作っているんですか。はい、まだ完成には時間がかかりそうですが、基礎部分の構築は終わりました。さすがイサラさん、独学でここまで作ったんですか。父が生前に集めていた資料をもとに何とかやっています。すごいな、尊敬します。完成したらどこまで飛ぶっすか。ガリア横断飛行とか。まず兄さんを乗せてあげたいんです。子供の頃、兄さんと野鳥を観察しに行った時、兄さんが言ったんです。鳥みたいに自由に空を飛んでみたいな、その夢を叶えてあげたいと思って、休日に少しずつ作っているんです。いい話っすね。イサラさん、お願いがあります。僕にも飛行機作りを手伝わせて。え？僕もいつかイサラさんのようなエンジニアになりたいんです。お手伝いをすることで勉強できることがあると思って、お願い。そいつはいいっすね。それならぜひオイラも手伝わせてほしいっす。よろしいんですか。もちろんっす。こう見えても日々研究開発で腕を磨いてるっすよ。そうですか。ではお願いします。よっしゃこれは緊急出撃のサイレンですね。こんな夜中に一体何があったんだ。エーデルワイスを出しましょう。何か急なことが起きたに違いありません。わかりました、すぐに準備します。très intéressant ici, très 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 intéressant. Donc là vous l'avez vu, j'ai vraiment la...Voilà, j'en ai profité, j'ai avancé un petit peu justement l'histoire pour pas vous dire bon ben allez on va voir justement le début du chapitre 9 lors du prochain épisode. J'ai dit non, 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 lançons immédiatement l'intrigue, on va voir un peu là où ça va nous mener. Et sincèrement je ne regretterai pas parce que ça donne vraiment une fin, un suspense de ouf. Et donc, retour joyeux de notre escouade, c'était vraiment quand même assez...
Est-ce qu'on pourrait dire touchant? Allez, on va le dire, on va dire que c'était quand même assez touchant. Ensuite, Wilkin qui a eu, voilà, une belle preuve, justement, de reconnaissance dans son travail, puisqu'il a été invité au banquet, justement, pour pouvoir voir la princesse et le reste du gratin de la haute société, si je peux dire ainsi. Et toutefois, on l'a vu un petit peu, là, la princesse qui était, je sais pas, elle semblait ailleurs, elle semblait, voilà... Il y avait quelque chose qui se tramait, on le sentait qu'il y avait quelque chose qui était louche, et donc ça s'est quand même révélé justement par après, puisque la princesse s'est fait capturer. Là sinon, ici, justement, le rêve du ciel, très intéressant, très intriguant par la même occasion. Est-ce qu'on va avoir un moment, les gars, où on va partir en avion? Ça pourrait être pas mal, j'ai hâte de voir un petit peu la suite. Sinon, effectivement, du côté de l'Alliance, qui est quand même assez louche aussi, puisque, voilà, la Fédération qui, eux, est un peu comme l'Empire, veulent prendre possession de l'Europe au complet. Du côté de notre nation et nous, Galia, nous, on est neutre, on est les Suisses, les gars, d'une certaine manière. On est neutre, on veut pas trop embarquer. On cherche juste, du côté des soldats, voilà, à protéger nos familles, nos amis, etc. Et là, t'as la haute direction qui, eux, dit, bon, ben, on fait une alliance avec la Fédération et on continue à partir contre l'Empire, on va les repousser et ensuite, on va contrôler l'Europe. Ça marche pas toujours ainsi et on le voit. Donc, hâte de voir un petit peu, justement, cette fin de chapitre 9. Vous le voyez ici, on a une opération dont c'est justement le kidnapping de Cordelia, de la princesse Cordelia. Donc hâte de voir comment on va devoir agir dans cette situation. Est-ce que l'Idlewatch va être si utile? Est-ce qu'on va devoir avoir des snipers? Bref, chose que nous allons constater lors du prochain épisode. Donc sur ce, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Moi, sincèrement, j'ai vraiment apprécié un truc de ouf. Et donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter, eh bien, les mots de la fin habituels. Donc, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.